Fonzina, on se retrouve aujourd'hui dans un parc pour essayer de faire un parcours Koh-Lanta avec les enfants et départager Ninon et Thibaut. Bon, Thibaut, il y a de la hauteur, donc je vais l'aider à franchir certains obstacles. Tout pied mis à terre, 15 secondes de pénalité. Oui! Alors c'est parti! On y va! Oui! À plus vite que moi. Ouais. De bas. Allez, on pousse. Comme tout à l'heure. Il est passé plus vite. Quel buteau. Vas-y, rattrape ton buteau un peu. Allez, donne la main. Allez, vas-y. Plus vite que Ninon, plus sans tomber. Tu peux pas te casser, c'est pas si haut. Au pire, tu vas faire quoi? Tu tombes à terre un pied et c'est tout, hein. Mais non, hé! C'était folle! Et on écrira le nombre de secondes que t'as fait et le nombre que Thibaut y a fait après. Si tu savais comme je l'aime. Ouais, bonne technique, hein. Koh-Lanta, made in Nord-Pas-de-Calais. L'épreuve des poteaux. Je sautais ma chine là. Donc 15 secondes de pénalité quand on met un pied à terre, hein, d'accord? Ah, mais là j'étais trompée, hein. Après, ça sera toi de toute façon. Allez, je te mets en avant. Banana. Banana en string. Voilà, je croyais qu'elle a un pied qui allait à terre là.
Attends, mais moi je cours. Ça. Il est là? Ouais, il est là. J'ai peur. Non, n'aie pas peur, c'est facile. Fais une main par une seulement. Voilà. Il est où lui? Ok. Ça se trouve, c'était la marque boulette. Tib! Non, 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 non. Ainsi. Oh. Youhou. Vas-y. Alors voilà, verdict. Thibaut a remporté le challenge. Parce que vous voyez, je ne l'ai pas vraiment aidé, mis à part là-bas, pour remonter son derrière. Il a pas à moi. Mais ça compte pas. Voilà. Donc si on met 15 secondes de pénalité à Thibaut, ça fait quoi? 15 secondes de pénalité, ça fait 3 minutes et... 3 minutes, on va dire. Oui, donc il a gagné quand même. Allez, 3 minutes contre 3 minutes 55. Voilà. Bon après-midi. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça te plaît. Et à très bientôt.